أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا ربي أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار أيها الإخوة الكرام لا نزال بفضل الله عز وجل نتكلم عن التوبة وبالتحديد توبة المؤمنين فبعد حديثنا عن قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وذكرنا كيف وقع في المعصية وكيف تاب الله عليه وكيف فرح المسلمون بتوبة كعب وفرح كعب وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بتوبته إن شاء الله mes frères toujours on parle sur le repentir sincère exactement on parle sur le repentir des croyants et on a dit que le croyant il peut commettre des péchés il peut même tomber dans les grands péchés C'est pour cela qu'on a raconté l'histoire de Ka'b ibn Malik qui a commis un grand péché et on a vu le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du compagnon avec lui quand il a commis ce péché et après quand Allah a accepté son repentir, on a vu le changement de comportement du compagnon et du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lui et on a vu la joie qui a été partagée avec Ka'b ibn Malik Et comment Ka'b ibn Malik il était joyeux et comment il a réagi quand il a eu l'information que Allah a accepté son repentir. Aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, on va parler d'un autre compagnon parmi les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce compagnon, c'est un ancien converti à l'islam. Had al-Sahabiyu ismuhu Hatib ibn Abi Balta'ah. Son nom Hatib ibn Abi Balta'a. Ses origines, lui, en vérité, il vient de l'Irak, min al-Irak. Fa ikhtasama ma'a qawmihi wa ma'a qabilatih, fa ja'a ila Mecca, wa ltasaka bi qabilati ismuha Bani Asad ibn Abd al-Uzza. Cet homme-là, normalement, ses origines, c'est de l'Irak. Il y a eu un problème avec sa famille, avec sa tribu là-bas, Et il a demandé refuge politique. Il a fait refuge politique. Et il est parti à la Mecque. Il est devenu avec une autre tribu qui s'appelle la tribu de Bani Asad ibn Abdi al-Uzza. Il est resté avec eux. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un, ses origines de Mecca. C'est un étranger. Il s'est marié à la Mecque. Il a des enfants. Lamma ja'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé de faire l'appel à l'islam, Cette tribu, Qabilat Banu Asad, il y avait des gens, des chefs qui se sont convertis. Lui, il a suivi ces gens-là et il a embrassé l'islam avec eux. Il a fait l'immigration à Médine. Dahaba ila al-Madina. Cet homme-là, il a participé à tous les combats avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le combat de Badr, le combat de Uhud, le combat de Tabouk, Sulh al-Hudaybiyah. Il n'a jamais raté une participation avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, qu'est-ce qui va se passer? Fi sanati at-tamina aw at-tasi'a lil-hijra, lamma arada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an yaftaha Mecca. Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'ouvrir la Mecque, de récupérer le pouvoir sur la Mecque. Il a préparé 10 000 soldats, 10 000 jundi. Il a préparé, il a dit préparez-vous. On va combattre un ennemi, mais il n'a pas donné la destination. On va combattre un ennemi, c'est qui? Personne ne sait. La ya'rifu ahad. Quand la date s'approche, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il commence à parler avec les gens, il commence à donner des signes à certains chefs, d'armée, comme quoi notre destination, ça sera vers la Mecque. Mais
Il dit, cette information, il ne doit pas sortir. Là, يخرج هذا الخبر عائشة عائشة رضي الله عنها أبو بكر il est parti la voir au début quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit préparez-vous il est parti voir Aïcha son père lui a dit est-ce que tu sais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il veut se diriger vers où yatlallahu a'lam je ne sais pas ça veut dire c'était secret Nabi sallallahu alayhi wa sallam il veut partir à la Mecque en secret pourquoi قال العلماء il ne veut pas de guerre il ne veut pas tuer des gens parce que si il y a une confrontation, sûr et certain, il y aura des morts. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il veut faire la surprise jusqu'à ce qu'il rentre. Quand il rentre, c'est bon. Il n'y aura pas de confrontation, il n'y aura pas 10 000 personnes qui vont rentrer, c'est bon. Ils vont récupérer le pouvoir sur la Mecque sans tuer personne. Sans tuer personne. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va se bagarrer. Ah, c'est sa famille, c'est sa tribu. Il y a aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il l'a envoyé comme miséricorde pour l'univers. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à tuer, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à propager la corruption, ce n'est pas quelqu'un qui aime couler le sang des gens. Hada an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rahma lil alamin. La yuridu an yuqatil al-nas, la yuridu an yasfika dima'ahum, bal yuridu an yurshidahum ila tariq al-khayr wa ila tariq jannati al-ridwan wa jannati Allahi rabbil alamin. Alors là, il y a une minorité. Ils ont cette information. Parmi cette minorité, Hatib ibn Abi Balta'a, parce qu'il était parmi les proches. Wa kana min ar-rumat, c'était un professionnel de lance. Il lance, il tire les flèches de l'arc. Na'am, de l'arc. C'était un chef, un professionnel. C'était un archi professionnel. Alors là, Hatib ibn Abi Balta'a, qu'est-ce qu'il va faire comme péché? Il a eu peur sur sa famille. Il y a toujours sa famille à la Mecque. Abidatuhu fi Makkah. Et lui, ses origines, ils sont de l'Irak. Alors, il va écrire un courrier pour prévenir les gens de Makkah, comme quoi le prophète, il va arriver à tel jour, à tel jour. On va sortir de Makkah pour venir à la Mecque. Dans tel jour, préparez-vous. Lui, il a donné ce courrier à une femme. Il y avait une femme à Médine, c'était pas une musulmane. Ja'at hunak pour faire des commerces, pour visiter quelqu'un. Ben, lui a donné le courrier, il lui a donné un peu d'argent. Est-ce que tu peux transmettre ce courrier vers tel et tel et tel? Il lui a donné des noms de Quraysh, des noms, les chefs de Quraysh. Cette dame, il a accepté, il a caché le courrier dans ses cheveux. Il a mis des nattes, à côté de Dfera, il a caché, là, il a mis son voile, il est parti. Fa ja'a Jibril, alayhi salam, fa akhbara an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme, quand il est sorti de Médine, c'est bon, Jibril, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il y a une femme, dans tel endroit, il cache un courrier. Et ce courrier, il y a des informations pour Quraysh. Nabi sallallahu alayhi wa sallam amara Aliyan radiyallahu anhu wa al-Zubayr ibn al-Awwam wa al-Miqdad ibn al-Aswad faqala idhabu ila rawdati khar. Rawdat khar, c'est un endroit qui s'appelle Rawdat khar, à l'extérieur de Médine. Fasatajiduna hunalika dha'ina. Al-dha'ina, hiya al-mar'atu al-musafira. Vous allez trouver une femme qui est en voyage. عندها كتاب ائتوني به. Il cache un courrier, il faut ramener ce courrier. Moi, je veux ce courrier. فذهب زبير بن العوام علي بن أبي طالب والمقداد بن العوص. Ils sont arrivés à cet endroit, ils ont trouvé la femme. Arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a? قالها علي, donne-nous le courrier. On vient pour récupérer le courrier. Non, j'ai pas de courrier. Il a menti. كذبت. Donne, j'ai pas. فتشوا رحلها. Ils ont fouillé le bagage. Il avait un chameau, ils ont fouillé tout. Ils ont rien trouvé. فقال لها علي. علي, maintenant il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas mentir. Il dit la vérité. Tu caches un courrier, tu. قال لها والله لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. Il a écouté. Soit tu nous donnes le courrier, soit on va te déshabiller et on va fouiller partout. Cette femme.
قالت تنحى عني، قالت له إلوانيتوا، وذهبت وحلت ضفائرها وغسلت إلى سورتي لكوري إلى دوني لكوري علي. علي رضي الله عنه il retourne vers النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ouvre le courrier. Qu'est-ce qui est écrit? من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من قريش. إن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي سنخرج يوم كذا يوم كذا وسنصل يوم كذا ويوم كذا ونحن 10,000 مقاتل. De la part de حاطب ابن أبي بلتعة pour des gens, les chefs de Quraysh, on va sortir dans tel jour, on est 10,000 personnes, on vient pour prendre le pouvoir sur la Mecque. Maintenant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lit le courrier devant Sahaba, Abu Bakr, Omar, Khalid ibn al-Walid, Bilal radiyallahu anhu, Abu Huraira, Sahaba, كلهم. فَقَالَ اِتُونِ بِحَاطِبْ. Vas-y, il faut appeler Hatib. Maintenant, on doit parler avec lui. C'est quoi ça? Est-ce que c'est toi qui as écrit ça? Ou bien c'est quelqu'un, peut-être un hypocrite qui a écrit ça, il veut te piéger. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne veut pas prendre une décision avant de contacter la personne et de savoir est-ce que c'est lui qui a écrit ou bien c'est pas lui qui a écrit ça. Parce qu'il peut quelqu'un écrire un courrier à ton nom pour te piéger, pour te créer des problèmes avec quelqu'un. Faja à Hatib. Hatib, il est arrivé. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا سيكوسا قال يا رسول الله لا تعجل علي قالوا يا رسول الله ne prends pas une décision attends je vais t'expliquer c'est moi qui ai écrit ce courrier déjà il a reconnu sa faute c'est moi qui ai écrit ce courrier يا رسول الله انا رجل ملصق بقريش ولست من أنفسها. قال له moi je suis un refugié, je suis un émigré, je suis pas d'origine de Mecca. وكل المهاجرين عندهم أهل وأقارب وقبيلة تدافع عن أهلهم هناك. Et chacun parmi les immigrés qui sont avec toi, Omar, Mokhtar, Abu Bakr, les autres, ils ont beaucoup de familles là-bas qui peuvent protéger leur famille. S'il y a une guerre, la famille sera protégée. Mais moi, il n'y a personne qui peut protéger. فَأَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي يَدًا عِنْدَ قُرَيْشِ. Moi, je veux faire ce geste avec Quraysh comme ça. S'il y a une guerre, ils ne vont pas tuer ma famille. Ils vont protéger. Donnons. Moi, j'ai donné l'information et eux, ils vont protéger ma famille. هنا عمر بن الخطاب غضب. عمر بن الخطاب أخرج سيفه وقال له يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. عمر بن الخطاب يجي يا رسول الله c'est un hypocrite il faut le tuer. هذا لا le péché c'est quoi qu'on péché هذا c'est quoi qu'on péché. هذه سميتها الخيانة العظمى. هذه la haute trahison. هذه même on parle pas de la religion dans les lois c'est quoi son jugement. La peine de mort. Directement. La peine de mort directement. Pourquoi? Parce que il a. Nabi Sarsen, qu'est-ce qu'il lui a dit? Donc, lui, il veut protéger des membres de sa famille. Combien? 5, 6? Mais regardez, il y a 10 000 personnes qui risquent d'être tuées. Imaginez, Quraysh, ils ont reçu le courrier, ils peuvent préparer des pièges. À ces gens-là, ils peuvent les massacrer tous. Alors, au lieu de sacrifier 3 ou 4 personnes, tu vas sacrifier 10 000 personnes. Falidalik, Omar ibn al-Khattab, il s'est énervé. Huna hadi, une trahison, une haute trahison. Walakin, lamma ghadiba Omar, quand Omar, radiyallahu anhu, s'est énervé, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, arrête ya Omar. انتظر يا عمر اما هو فقد صدق سكيلا دي حاطب الى دي لا فيريتي هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دي حاطب الى دي لا فيريتي ça veut pas dire qu'il lui a donné l'excuse de dire ça non ça veut dire c'est ça la chose qui a poussé حاطب à écrire le courrier c'est pas quelqu'un qui a changé sa foi
ou bien c'est un hypocrite. Non, c'est toujours, c'est un croyant. Toujours, il aime la religion. Toujours, il aime le prophète. Toujours, il veut défendre cette religion. Mais la chose qui lui a poussé à faire ça, c'est vraiment, il veut protéger sa famille. Valida, si ce n'était pas ça, il peut faire ça pas parce qu'il a changé sa religion. Parce que c'est un hypocrite qui veut détruire les musulmans de l'intérieur. Falida alik nabi sallam qala lahu ya Umar la ta'jal intadir laqad sadaq wa la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr fa qala lahum i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Dalu ya Umar, celui-là c'est quelqu'un qui a participé avec nous dans le combat de Badr. Et les gens, les 314 personnes qui sont participées dans le combat de Badr, c'est parmi les habitants de paradis. Les 314 Mubashsharina bil Jannah. Regarde celui-là, il est parmi les 314 personnes. Huna al ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, quand tu vois un croyant, il tombe dans un grand péché. Avant de prendre un jugement, avant de prendre une décision, fais une comparaison entre son passé, le bien qu'il a fait, et entre le mal qu'il fait. Avant de juger. Imaginez, il l'a jugé sur ce geste-là. Omar ibn Khattab direct, il a dit, c'est un hypocrite. Ça veut dire, il a annulé presque. Lui, ça fait presque maintenant 20 ans qu'il est musulman. Ça veut dire, il a supprimé 20 ans de l'islam. Il a participé à Badr, à Uhud, Tabouk, Hudaybiya. Il a fait beaucoup d'efforts. Alors celui-là, il a fait tout ça. Et là, il a fait une erreur. Est-ce qu'on va supprimer le bien qu'il a fait cet homme-là? Et on va le juger sur ce point? Nous, malheureusement, on fait ça. Malheureusement, on fait ça. Quand quelqu'un il fait un péché, c'est bon, il a fait ça. On voit que le point noir. On voit pas les points blancs et les choses de khayr qu'il a fait pendant toute sa vie. C'est pour cela, le musulman, il ne doit pas être pressé à donner des jugements. Non, ton frère, ton père, ton ami, ton voisin, il a fait une erreur, il a fait un péché. Attends, il faut voir, il faut faire, être juste, il faut être honnête. Je vais voir, on va voir son histoire, son passé. Il a fait ça, 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 il a fait ça. Subhanallah, ça veut dire là, ce qu'il a fait, c'est un moment de faiblesse. C'est un moment de stress, c'est un moment où il est tombé, c'est un être humain. Wa khuliqa al-insanu da'ifa, il est faible, il peut tomber. Falidalik, nous malheureusement, on prend la décision, on juge directement ce qu'il a fait maintenant. T'as fait ça, c'est bon, t'es pas bien. T'as fait ça, t'es bien. Et ça, c'est faux. Hada khata kabir. Regardez le professeur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Omar, il va lui rappeler, il lui dit, ya Omar, c'est quelqu'un qui a participé avec nous dans le combat de Badr. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis c'est un hypocrite. Allah Ta'ala, il dit que j'ai pardonné les péchés des gens qui ont participé à Badr. Et toi, tu dis que c'est un hypocrite. Omar, pourquoi il a dit c'est un hypocrite? Il a jugé sur l'instant. Voilà, ce qu'il a fait maintenant. Ce que tu as fait, c'est un geste d'hypocrisie. Ça, c'est clair. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, non. Il a regardé à son passé. Il a regardé à son bilan. Voilà ce qu'il a fait. Faqala lah ya Omar. C'est quelqu'un qui a participé au combat. Mais pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Devant tout le monde, pour que personne ne peut accuser Hatib ibn Abi Balta'a après cette réunion. Après cette réunion, c'est bon. La yu'ayyiruhu ahad wa la yattahimuhu ahad. Personne ne va l'accuser après. Il a dit, c'est quelqu'un qui a participé au combat de Badr et Allah Ta'ala, il pardonne les péchés des gens qui ont participé au combat de Badr. Qu'est-ce que ça veut dire, ghafarallahu lah? Qu'est-ce que ça veut dire, Allah, il va lui pardonner? Ça veut dire, les gens qui ont participé au combat de Badr, même s'ils font des péchés, ils vont faire un repentir après. Même, il peut faire un péché, mais il ne va pas rester sur ce péché et coller à ce péché-là. Non, il peut faire un repentir. Allah Ta'ala, il va lui faciliter de faire un repentir sincère. Alors, هذا الصحابي الجليل وقع في هذا الدم فأنزل الله عز وجل فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة.
Allah Ta'ala il a révélé un verset coranique qui parle sur Hat ibn Abi Balta'ah. Ya ayyu surat al-Mumtahana. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq. يخرجون الرسول وإياكم أن تعبدوا بالله أن تعبدوا أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الله تعالى يقول سيد حاطب بن أبي بلتعي يقول يا حاطب توا تي veux prendre comme allié les ennemis d'Allah. C'est les ennemis d'Allah, c'est eux qu'ils ont sorti le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque. C'est eux qui t'ont viré de la Mecque. C'est eux qui ont expulsé Sahaba de la Mecque. Et s'ils se rencontrent avec toi, ils ne vont pas prendre en compte ton courrier. Ils peuvent te tuer. Et ils peuvent même tuer ta famille. Ce que tu as fait, c'est faux. Mais les ulama, ils ont dit, Allah Ta'ala, quand il a révélé ce verset coranique, il dit, il a commencé le verset, « Ya ayyuhalladina amanu » Ça veut dire toujours, tes croyants, « Ya hati » T'as pas annulé ta foi, mais ce que t'as fait, c'est pas bien. Ce verset, il parle sur l'amour et sur la haine. Pour qui tu dois donner ton amour et qui mérite ta haine. Qui mérite la haine et qui mérite l'amour. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah, Azza wa Jal. Et demain, le week-end prochain, on va parler comment Hatib, il a regretté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait avant la révélation de ce verset, avant que le prophète il reçoive ce verset qui parle sur Ya ayyuhalladhina amanu, qu'est-ce qu'il a fait pour montrer qu'il a regretté? Le repentir, c'est le regret. Est-ce qu'il a regretté ou pas? On va voir, Inch'Allah, mais ça sera pour le week-end prochain. Allahumma allimna ma yanfa'una.